Bonjour à tous, ici Vincent, je suis cultivateur en Nord-Charente. Aujourd'hui, je vais vous parler comment je désherbe le blé. Un peu de gaillet qui sont très concurrents du blé. Un pied de raie gras, c'est 1500 graines, soit 1500 pieds si on le laisse grainer, et on perd 37 quintaux hectares. Alors voici comment j'explique sur Twitter comment je désherbe mon blé et pourquoi. Alors, après avoir identifié les adventices et leur nuisibilité, je choisis mes produits en fonction de ces adventices. Parce que les produits n'ont pas tous le même champ d'action. Je vous fais suivre des liens dans la description sur Arvalis et le site d'InfloWeb pour déterminer les nuisibilités. Alors, je regarde la météo pour déterminer le créneau de traitement. Il y a des spécificités à respecter. 19 km/h maximum pour éviter les dérives hors du champ. 5 degrés minimum pour l'application. Et 80% d'hygrométrie pour assurer une bonne efficacité du produit, surtout sur les graminées. Dès que j'ai identifié ce créneau, je prépare la tonne à eau pour pouvoir prélever avec mon pulvérisateur. Je traite à 180 litres hectare et je calcule le nombre de produits à mettre à l'hectare. Alors là, pour le cas, je vais traiter que les chintes d'une parcelle et une autre parcelle en entier car il y a plus d'adventices sur toute la surface. Et après, 15 jours plus tard, on pourra voir les efficacités. Je vous mettrai des photos bientôt. Je vous remercie et à bientôt. Je tenais à remercier les agri-youtubeurs, surtout David Forge, Gilles Véca et Thierry l'agriculteur d'aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour à tous, ici Vincent, je suis cultivateur en Nord-Charente. Aujourd'hui, je vais vous parler comment je désherbe le blé.